ce festival, il a quelques particularités. D'abord, il s'inscrit totalement dans la politique régionale de promotion de la langue occitane, de promotion des arts et traditions populaires. Et donc, on peut dire que tout le mouvement qui s'engage aujourd'hui en faveur des langues et de la langue occitane, avec des investissements importants à l'échelle régionale, justifie largement ce qu'on a fait il y a 7 ans. Deuxièmement, c'est un festival qui est ouvert. C'est-à-dire qu'avec Pascal et puis l'Office de tourisme qui l'organise, nous avons décidé de l'ouvrir à l'agglo. Donc, il y a beaucoup de manifestations qui se déroulent sur Tarbes, mais il y a des manifestations qui se déroulent, des concerts à Ibos, en collégiale, à Sémillac. Autre particularité qui mérite d'être soulignée, c'est que tous les concerts sont gratuits. Tous les concerts sont gratuits. On ne peut pas dire ça dans beaucoup de festivals aujourd'hui. Je ne sais pas si on pourra durer longtemps, mais en tout cas, depuis 7 ans, les concerts sont gratuits. C'est sur les 5 jours du festival, c'est 10 000 festivaliers. Avec des gens, des fidèles maintenant, qui viennent ici, qui passent 5 jours ici. Il y en a qui viennent de loin, tu pourras le dire, que tu connais. Hein. Il y en a qui viennent de loin, il y en a qui viennent d'Espagne, et qui passent 5 jours ici à Tarbes. C'est 250 chanteurs invités. Pascal va vous donner le détail. C'est 100 stagiaires inscrits au masterclass. Ce qui est également d'extraordinaire dans ce festival, c'est l'engagement des enfants, à travers bien évidemment les enseignants, notamment les écoles où il y a la langue occitane qui est promue, etc. Mais en tout cas, et même les autres écoles y participent, c'est 2500 élèves qui participent au projet pédagogique du festival. C'est quelque chose d'énorme. Et quand on voit les Mainats au Jardin Massé, aux places de Verdun, je vous engage à venir voir ça, parce que c'est extraordinaire de voir tous ces gosses qui chantent et qui dansent. Je veux dire que les traditions populaires, avec des manifestations comme celle-là, eh bien, on n'est pas prêt de les perdre. Et c'est 20 concerts et en terrasse gratuits. Je vous invite aussi, après les concerts, à aller à participer au camp terrasse, dans les cafés, qui sont nos partenaires. Parce qu'alors là, tout le monde se lâche, c'est magnifique, extraordinaire. Ce qui me réjouit, c'est de voir qu'on a plein d'options quand on songe à faire un programme d'année en année. On a beaucoup de possibilités parce que depuis 2010, il y a davantage de groupes. De nombreux groupes se sont formés ici dans les Hautes-Pyrénées, sur Tarbes, sur sa région proche, et au-delà, sur ce thème de la polyphonie. Donc ça veut dire que c'est pas simplement un petit effet de mode, mais ça correspondait aussi finalement, cet affichage avec un festival à dimension régionale, ça correspondait aussi à une demande, à une soif de chant, et beaucoup de gens qui ne participent pas non plus à des groupes, mais viennent chanter dans ces soirées, dans ces canters, dans les cafés ou sur les marchés, avec nous, puisque c'est ouvert à tous. Donc il y a vraiment un appétit de chant dans cette région, et qui est reconnu au-delà, puisque cette année, on est déjà averti de l'arrivée de personnes qui vont venir autant de la région parisienne que de Barcelone, vous le disiez, d'autres régions d'Espagne, et aussi, ça sera une nouveauté, plusieurs contingents qui viennent d'Italie du Nord, où c'est aussi un terroir de chant collectif, polyphonique. Donc, on a même été sollicité par des groupes d'Italie qui souhaitaient participer. Et notre programmation était complète à ce moment-là. Mais par contre, ils vont venir pour assister au festival et puis, entre guillemets, candidater pour d'autres éditions. Au canter. Au canter, oui, oui. Il ne s'agit pas de magnifier le passé uniquement. Ce n'est pas une pratique qui est réservée à un passé mythique et périmé. Ce n'est pas du tout ça. Notre horizon n'est pas dans les rétroviseurs, mais bien devant nous, et justement avec cette volonté aussi de travailler avec ces enfants,
Et vous le disiez bien, ces enfants qui ne viennent pas pour consommer un festival, ils se préparent toute l'année à des chansons, à des danses, et ils viennent interpréter. Ils sont aussi eux-mêmes des, voilà, des moteurs et des acteurs. Et l'an dernier, quelqu'un me demandait, mais quand les enfants chantent de diverses origines, est-ce qu'ils ne sont pas en train de dénaturer ces chants ? Et spontanément, j'ai dit, mais non, au contraire, ils leur donnent quelque chose, ils sont en train de leur donner de nouvelles vitamines à ces chants. Assez dense, et ça crée un esprit de travail dans la convivialité. Et c'est ce qu'on a envie de montrer aussi, c'est que ces musiques qui sont dites traditionnelles, c'est un apprentissage aussi de la vie par la convivialité, et pas uniquement par la compétition. Si c'est la compétition, c'est la compétition saine, mais c'est pas pour écraser ou pour chasser l'autre en dehors du cercle. On fait vraiment avec les autres, et avec ça, peut-être on devient plus intelligent à plusieurs que tout seul.